Salut tout le monde, c'est Shoki, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Alors là, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 du Mystère du Mont Chiliad. À l'épisode précédent, vous avez été plus de 1000 à mettre un pouce bleu en moins de 12 heures et cela me fait vraiment plaisir. Pour cet épisode, si on arrive à atteindre autant de pouces bleus que le précédent avant les minuit, eh bien je vous présenterai l'épisode 3. Rappelez-vous dans la vidéo d'hier, quand on était trop près de la croix, eh bien elle n'était pas très visible, mais par contre quand on s'éloignait, eh bien elle était un peu plus visible. Des personnes m'avaient fait des remarques dans les commentaires en me disant qu'ils avaient du mal à voir la croix. Si vous avez regardé la vidéo sur téléphone, eh bien c'est un peu normal, l'écran est un peu petit et c'est pour ça que vous avez mal vu la croix. En plus de ça, vu que c'est un mystère, eh bien Rockstar ont fait leur maximum pour pas qu'on voit très bien la croix, même sur console ou sur PC. Au passage, pour ceux qui n'auraient pas vu le mystère d'hier, eh bien je vous l'ai mis dans la description, surtout n'hésitez pas à aller le voir. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du mystère, là je me retrouve, où est-ce qu'il y a des éoliennes sur la map, et c'est là où se situe la deuxième croix. Si vous savez pas où se situent les éoliennes, eh bien je viens de vous afficher où est-ce que ça se situe sur la map. Donc vous pouvez apercevoir à l'écran que c'est pas la map de GTA V comme vous connaissez, c'est rajouté avec le mystère de GTA V et où se situent les croix. Donc là, on est ici, où est-ce que c'est entouré. Regardez bien au gameplay, on peut apercevoir la croix, elle est pas très visible et c'est tout à fait normal vu que c'est un mystère. Dans les commentaires de ma précédente vidéo, vous m'avez dit que si on utilisait le téléphone pour faire exploser la bombe, eh bien il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose qui se passe et j'ai malheureusement pas essayé et c'est à vous de tester ça. S'il y a quelque chose de mystérieux qui se passe, eh bien faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous voulez un épisode 3, eh bien mettez un petit pouce bleu et un commentaire pour me le faire savoir, c'est tout pour cette vidéo. Et nous on se retrouve tout à l'heure, allez ciao!